est censé être un mannequin et nous on est censé être des présentateurs de. Mais moi, dans faire ça, comme il faut. Dans faire des poils. Dans faire des poils, c'est quoi ce pull? C'est bon, on y va? C'est mon pull, je critique pas. Mon pull. Allez. 1, 2. Salut, salut! Bon, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elles ont, pourquoi elles ont des masques. Elles. C'est bon, je refais. On refait. Allez. Salut, salut! Bon, ben voilà, c'est nous. Vous allez vous demander ce qu'on a. Non, non, on n'a pas le coronavirus. Non, 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 non. Donc là, on fait cette vidéo parce que je sais que nous sommes en rupture de masque. Là, il n'y a plus de masque, nulle part. Tous les masques sont en rupture. Donc nous, on est là pour vous donner des idées de masques pour contrer ce fameux coronavirus. Hein. Quoi? Juste pour te dire, t'as mis le masque à l'envers. C'est vrai? Oui, t'as mis ton masque à l'envers. Bon, mais j'ai mis le masque à l'envers, ça commence bien. Comment tu sais? Parce qu'il est bleu, elle est de base. Ouais, j'ai mis le masque à l'envers, déjà là, moi, je suis morte dans le game. Bon, alors du coup, Tisane, qu'est-ce que nous allons présenter? Donc, du coup, on va vous présenter 6 masques et demi. Et je serai le modèle. Voilà, monsieur sera le modèle. Et donc du coup ces 6 masques et demi seront des alternatives à ces masques que vous ne trouvez plus en pharmacie. Petit aparté, est-ce que vous ne trouvez pas que Shaïn a changé de voix? Ouais. Shaïn a mué, dites-moi en commentaire. Il a changé de voix, changé de sourire, souris. Il a changé de... De grandeur. De couleur de dents. Il a changé de pointure de pied, 45 actuellement. Il ne faut pas abuser. Tu veux dire combien? 44. Non, 49. 43 et demi. 49. Et ouais, il a changé de taille aussi. Il a changé de tout. Il nous dépasse de 3 têtes. Et de poils aussi. Hein. Tu veux ouvrir la forêt. Tiens, montre tes jambounettes. Ah, attendez, comment il a de la chose. Enfin bref. Ouais. Du coup, nous allons enlever ça pour vous présenter. Ouais, on va quand même vous enlever ça. On va pas vous faire peur. Hein. On ne veut pas vous faire peur en vous disant. C'est vrai que ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment très grave. Mais on a voulu faire une petite vidéo humour. Apprendre au second degré, hein, vraiment apprendre au second degré, ne commencez pas à nous dire oui, vous rigolez avec ça, etc. C'est vraiment une vidéo apprendre au second degré. Ne vous excitez pas sous les commentaires, de toute façon les commentaires sont modérés, donc ça sert à rien de vous exciter. Nous on a voulu juste faire un petit peu d'humour pendant ces temps un petit peu... C'est un petit peu grave quoi, hein? Ouais. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi t'as les yeux qui tombent? Parce que j'ai pas maquillé les yeux, j'ai pas les cils. T'as pas de mascara? Non, j'ai pas de mascara et j'ai pas de cils. Non, c'est pour ça, on dirait que t'es fatiguée. Mais je suis fatiguée. Ouais, madame elle a fait du sport. Et pourquoi tu me critiques? Madame elle a fait du sport, elle est fatiguée. Oui, bien sûr. Bref. Donc, allez, bref. Et en plus, à partir de maintenant, nous devenons présentateurs télé pour une vente de produits. Donc vous allez assister à la vente de nos produits, aux tarifs, aux présentations de produits par monsieur. Et à l'utilisation du produit ainsi que les noms où vous pouvez les trouver dans le commerce. Et c'est parti! Allez! Donc, nous allons vous présenter notre premier masque qui s'appelle le String Virus. Vous pouvez le retrouver sur nos tiroirs. Donc, vous pouvez tous le trouver chez vous, dans vos tiroirs, dans les fonds des tiroirs de votre femme, de votre mère, de votre soeur, de votre cousine, peu importe, de votre copine, de tout le monde. Voilà. De votre grand-mère aussi. Oui, ou même le vôtre. Ouais, même le vôtre. Ah ouais, voilà. Donc, premier masque, monsieur. Premier masque, voilà, le String Virus. Voilà, donc là, vous avez l'étiquette, c'est pas très glamour, mais on la cache. Voilà, et c'est pas donc mal. Là, ce serait bien de l'accrocher sur la glotte avec une petite agrafe. Oui, ouais. un petit point de couture. Madame, elle peut vous coudre ceci ici. Oui. Comme ça, vous dormez avec, vous avez juste à tirer sur la ficelle. Voilà. Quoi. Par contre, ayez une petite collection parce que il faut le changer tous les jours. Parce que ça filtre une petite journée, après ça ne filtre plus. C'est comme l'épée. ça filtre l'épée, mais alors ça ne filtre pas pendant tout le temps. Il doit plus filtrer, toi. Voilà. Donc ça, c'est le premier masque que nous pouvons vous proposer, qui est accessible à tout le monde. Et je précise, pour les personnes qui adorent les animaux, vous pouvez avoir une apparence d'éléphant. C'est plutôt pas mal, dans la rue, vous pouvez jouer à faire l'éléphant. Et c'est plutôt plus sympathique qu'un petit bout de papier comme ça. Et puis vous serez original dans le métro. Voilà. Voilà. On passe au suivant. Second masque que nous allons vous présenter se nomme le Somerus. Voilà. Donc, celui-là, nous pouvons le trouver où? Sur notre table de nuit.
Donc la plupart des personnes en ont, donc si vous n'en avez pas, pareil, vous demandez à vos amis, tout le monde en a dans son armoire. Logiquement, pratiquement tout le monde. Vous pouvez même demander aux hôtesses de l'air et aux stewards, je pense qu'ils en ont un petit paquet voilà. En stock. Vous pouvez en trouver un peu partout pour très peu cher. Voilà, le Sommelius. Voilà, donc celui-là est par contre, il est un peu plus épais, donc moins de microbes, de filtration. Vous n'avez pas besoin de le changer tous les jours. Ouais, celui-là je pense que vous pouvez le garder 2 ans. Ouais, en le lavant une fois tous les 6 mois par contre. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus? Il est très doux, vous pouvez vous caresser la moustache. Celui-ci, vous avez une apparence de... Des cochons. De poils de fouf. De fuck. Une apparence de fuck. Par contre, celui-là est tellement épais que vous pouvez parler très près. Il n'y aura pas la laine de fuck qui sortira, par contre. C'est ça, vous pouvez parler de très près avec Shahid et vous pouvez même limite l'embrasser. Ouais. Pas d'odeur. Voilà, voilà. Donc ça, c'était le second masque que nous voulions vous présenter. Allez, on passe au second. Vous pouvez venir avec. Alors, maintenant, nous allons vous présenter... Bon, maintenant, nous allons vous présenter Orangirus. Voilà. Donc, ça se trouve où, Tissène? Bah, dans le frigo, voilà. Vous en avez tous dans le frigo. Mm. À part si vous n'aimez pas ça. Mais c'est rare. C'est rare, hein? Ouais, je pense. Ouais, c'est rare. Ou alors, vous pouvez prendre autre chose. Tous les matins, hein, vous devrez déjeuner ça. Voilà, c'est bon pour la santé. Et en plus de ça, ça a une très légère odeur, si vous aimez bien cette odeur, au niveau du nez, toute la journée. Mm. Ouais, c'est plutôt pas mal. Voici le résultat. Bon, par contre, celle-ci, t'as le nez trop gros. Ouais, si vous avez un gros nez, n'y pensez pas. Et bien évidemment, voilà, celui-ci... Voilà, il faut prendre des pamplemousses. Ah ouais. Mais par contre, petit bémol sur celui-ci, c'est que si vous êtes pressé le matin, optez pas pour celle-ci. Parce que c'est clairement assez difficile de faire les trous et de joindre les deux bouts. Mais est-ce que ça va Bref, si vous n'avez pas le temps de matin, la prenez pas. Assez granuleux celui-là. Voilà, il est un peu comme la même texture que le nez de Shine, donc ça change pas trop. Ok. Mes fesses. Par contre, celui-là, il laisse passer l'air. Vous allez pouvoir empêcher les postillons en face de vous, mais par contre, s'il y a quelqu'un qui vous manque, ça va rentrer sur les côtés. Dans vos placards, dans vos frigos, ou voilà. C'est le dernier masque? Pas du tout. Donc du coup maintenant nous allons vous présenter un masque qui est très très drôle, qui fera rire beaucoup d'entre vous, mais qui est très pratique. Oui. Celui-ci, toutes les femmes en ont. Toutes les femmes au monde en ont à la maison. Vous pouvez le trouver partout. Dans vos toilettes. Voilà. Normalement. Dans votre chambre, dans votre tiroir, tout dépend. De nuit, partout. Voilà. Dans votre sac à main, même quand vous partez en vacances, je suis sûre que vous en aurez dans le sac. C'est voilà. Obligé. Et celui-ci, c'est le masque de la rigolade. Hygiénirus. Voilà. Celui-là, c'est le plus pratique. Voilà. Par contre, quand tu respires, il fait un effet de ventouse. Donc faites attention parce que s'il y a quelqu'un qui vous postillonne là-dessus, là, l'effet ventouse, ça va rentrer à l'intérieur de la bouche et je pense que ça sera pas. Ouais. Par contre, celui-là, est-ce qu'il te fait respirer ou pas? Tu peux respirer. Pourtant, avec ma mère, ces protections-là, nous prenons toujours très respirantes pour éviter les mauvaises odeurs. Donc, je ne comprends pas. Ouais, il est parfumé aussi. Ah oui, il est parfumé. Hein, ça sent pas mal. Mais non, ça sent pas le parfait. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc, celui-là, il est hyper pratique. Et par contre, ça ne coûte pas cher. Ce qui est bien, c'est que vu qu'il faut le changer tous les jours, quand vous en achetez, vous les achetez en parvin. Ça coûte pas cher. Non, mais je veux dire 2 euros les. Bon, allez, on va faire un peu d'économie. Vous pouvez le garder 3-4 jours. Mm. Si là, vous arrivez à le faire coller chaque jour. Ouais, c'est des paquets de 20 environ. Ouais, ouais 20 par là. 3 euros. 3 euros les 20, ça va. Mm, c'est raisonnable. Ouais. Nous allons passer au suivant. Alors, là, nous allons vous présenter le Plongirus. C'est un, je crois, qui va super bien protéger. Ouais. Par contre, celui-là, vous pouvez même éviter. Les postillons dans les yeux. Non, parce que il est. On a entendu dire que les postillons dans les yeux pouvaient vous faire attraper ce fameux virus. Voilà. Donc celui-ci, c'est celui qui protège en intégrale.
Voilà, vous pouvez même aller sous l'eau avec. Vous pouvez vous laver, vous pouvez... Là, franchement, regardez. Vous pouvez dormir avec, vous pouvez tout faire. Hein. Celui-ci, c'est le révolutionnaire. Ouais. Coûte, pas très très cher. Bon, celui-ci, par contre, on ne le trouve pas partout. Il faut aller l'acheter à Decathlon rayon plongée. Voilà. Voilà. Ouais, ouais. Une trentaine d'euros quand même. Hein. Oui, mais ouais. Ça leur fait l'année, la vie, même si ça dure 10 ans ou 10 ans. Hein. Ouais, ouais. Et vous avez la particularité, dans le métro, on vous retrouve facilement dans la foule. Voilà, avec la petite corne de télécubis. Voilà, quelqu'un vous appelle. T'es où? Attends, je sais où ma corne. Vous avez tous les mêmes cornes, ça va pas le faire. Hein. Ouais. Donc essayez de vous identifier, faire une petite marque par là, je sais pas. Ouais. Voilà. Ou mettre un petit clignotant au-dessus dès que vous êtes là. Par contre, t'as pas, mais ça coule. Hein. Voilà, donc celui-là, c'était le... Non, c'est pas le dernier. On en a encore un à vous présenter. Et c'est le meilleur si vous êtes un couple ou... meilleurs amis. Meilleurs amis. Voilà, si vous êtes un couple ou meilleurs amis, c'est le meilleur. Donc, voilà. On va vous montrer. Donc, si vous avez envie de trouver... Essayez de tendre, rigoler. Non, absolument pas. Alors, je vous présente le Gorgirus. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le trouver. On n'a pas vu. Où est-ce qu'on il peut le trouver? Il n'a même pas vu. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez le trouver dans votre armoire. Voilà. Si c'est pas cher. Ouais. Ça coûte combien? Et celui-là, il a la particularité qu'il faut le tenir toute la journée. Voilà. Il faut juste le tenir ou l'attacher par derrière la tête. Voilà. Ou sinon, vous pouvez l'accrocher derrière la ficelle. Par contre, le seul problème qu'il a, celui-là, c'est que par contre, si elle a la maladie, je l'ai de suite. Hein. Parce que le moustiquaire, il passe à côté. Juste, je pense que la particularité de celui-ci, c'est que si vous avez un trop gros bonnet de nibar, il va vous prendre toute la tête. Ah oui, non. Vous avez intérêt à avoir des petits nénés. Et si vous avez des petits nénés, par contre, ça risque d'être juste. Ça va vous prendre que la narine. Il a quand même la particularité, celui-là, attendez, je vous montre, c'est qu'il fait 220 Disney Astuce. Vous faites ça. Là, vous mettez celui ici. Voilà. Et lui ici. Voilà. Et là, il faut juste faire un juste attacher là, comme ça. Oula, oui. Oula. Respire. Chaîne, arrête. Il va respirer. Là, voilà. Et celui-là, vous les approchez quoi. Ouais. Si votre ami vous lâche, bah vous avez toujours votre masque. Et dans le métro, vous passez pas inaperçu. Oh, vous pouvez prendre pas en dentelle quand même. Hein, ouais. Pas en dentelle. Parce que la dentelle, je trouve quand même que ça emprisonne les microbes là devant. Ouais. Ouais. Mais tout en dentelle, je parle, les transparents. Évitez, ça n'a pas de grande utilité. Mais prenez bon. Le 100% coton pour qu'il soit beaucoup plus hermétique par contre. Mmh. Ouais. Et vous pouvez divaguer entre les couleurs. Mmh. Rose, vert, orange, multicolore, ouais. Arc-en-ciel. Vous pouvez être de toutes les... Ouais, franchement, vous pouvez... Bon, du coup, nous allons finir la petite présentation de masque. Donc, vidéo à prendre au second degré, évidemment, hein, parce que... Hein, Tissène? C'est sûr que là, ce qui arrive en ce moment, c'est pas très marrant. Mais vaut mieux rire qu'en pleurer, parce que sinon, on devient psychopathe, on devient... on vit plus quoi, on reste enfermé chez nous et on ne vit plus. Donc j'espère que cette petite vidéo humour vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi des petits objets comme ça insolites qu'on pourrait se servir pour faire des masques? Évidemment c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Vous allez directement en pharmacie acheter des vrais masques, hein. Ça c'est des masques qui ne protègent pas totalement, mais qui sont quand même pas mal, mais à changer quand même tous les jours. Mais comme je dis, ne devenons pas psycho, hein. Voilà, laissons faire les choses et qu'est-ce que là? Ça fait du bien. Je me suis tiré une peau du doigt. Laissons faire les choses et on verra bien ce qui se passera. Mais en attendant, protégez-vous et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Hein ouais. Allez, bye bye. Ah ben, quand je dis au revoir, il y a toute la famille qui dit au revoir. Je vous dis moi. On aurait dû mettre un cookie. Ça, Dimitri, on aurait dû s'accrocher lui. Coronavirus, vas-y, rentre avec moi. Attends, je vais te mettre une bonne musique. Coronavirus.